Bonjour à tous. Nous voulons débuter notre programme de la célébration. Je profite de cette occasion pour vous donner la manière dont nous allons procéder à cette célébration. Nous allons recevoir le futur époux en première position, suivi de la future épouse, et nous allons recevoir Madame l'officier de l'état civil pour la célébration proprement dite. Alors, sans plus tarder, je vous prie, là où vous êtes, levez-vous. Je vous annonce déjà que le futur époux va faire son entrée. Et il va faire son entrée sous nos acclamations, nos milolotes qui fait son entrée solennelle. Nous voyons le futur époux avancer déjà. Il avance calmement. Ok. Le futur époux est là, en chair et en os. Et je crois bien la future épouse est déjà prête. Aussi faire son entrée solennelle. Devant. Ok, merci. Restons toujours debout. Nous voulons recevoir Madame l'officier de l'état civil. Elle aussi va entrer sous nos acclamations. Étant une cérémonie officielle, nous commencerons par l'hymne national. Un bonjour Michel a pensé. Un matin, il lui a dit,
Et aujourd'hui, on est là. Si on peut les applaudir très, très fort. Le code de la famille en vigueur que voici, dans son article 330, définit le mariage comme étant un acte civil, un acte solennel, un acte public par lequel un homme et une femme qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré. Très important, ces actes établissent une union légale et durable. Je parlerai des conditions de formation en passant par les effets et je vais atterrir à la dissolution. Conditions de formation, le mariage est un contrat. Sa formation doit remplir les conditions de fond ainsi que les conditions de forme. S'agissant des conditions de fond, nous avons la condition sine qua non, le consentement des époux. Là, je demanderai à M. Miché de se mettre debout, bien sûr, sous vos acclamations. Bonjour, M. Miché. Waouh, sur 131. Juste à côté de toi, je vois une femme d'une beauté foudroyante. Est-ce que vous êtes absolu sur le thème que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez regarde le public. Ok. Merci. Je serai un peu court pour vous expliquer comment est-ce que j'ai rencontré ma très belle dame. Ok, c'était un jour, je me rappelle, je venais de deuil. Et je rentrais, j'étais avec un ami. Je lui ai vu de loin, c'est-à-dire que je l'ai déjà vu une fois. J'étais dans un taxi, dans mon arrivée vers premier poteau. Je me suis dit, ah, mon opération est lingue, Ce qu'autant on a eu au coup tanana et le jour J, j'étais avec un ami. Mon ami m'a dit que Tobengai, les babengi, bandu osoana kambara. Le bandu ochaye mon moral, je n'ai pas assez de temps et tout ça. Je lui ai demandé son numéro. Il m'a dit j'ai pas de téléphone, mais je te passe quand même le numéro de ma cousine. Et puis quand elle m'a remis le numéro de sa cousine, j'ai commencé à lui écrire et puis la soirée en question, je lui ai écrit que non, tu veux, genre, je veux de toi, je veux que nous puissions être ensemble. Elle me dit, oh non, je suis occupée. Je lui ai dit, à ton âge, occupée. Oh non, je suis occupée, ça ne peut pas tenir et tout ça. Je lui ai juste fait la morale après. Ça fait après 4 ou 5 jours, elle m'a écrit, les numéros que tu as, c'est mon numéro. Donc c'est plus le numéro de ma cousine, c'est mon numéro. J'ai compris que c'était un bon feedback. Et un jour, je venais du campus, on était en train de jouer au foot, nous sommes rentrés. Quand je suis passé sur l'avenue, je l'ai vu en train de pleurer. Oh, tu pleures pourquoi? Oh non, j'ai demandé quelque chose à papa. Il a refusé. Je lui ai dit, quoi, dans ce cas-ci, on va en parler et puis tiens-moi en campagne. Oh non, j'ai pas le temps, c'est top, Nabi, tiens-moi en campagne. Et puis, Tokomo Tambola, papa, je lui ai dit, je suis encore sale, que je parte m'habiller, et puis je vais rentrer, nous allons parler ensemble, et puis attends-moi vers le club. Il y a un peu, avec l'autre de ma musicien. C'est que quand je suis arrivé comme ça, j'ai commencé à lui faire la morale. Oh non, je ne peux pas m'asseoir au club, on doit d'abord se déplacer un peu. On a commencé à faire Makoloma. Bon, je n'avais plus dit deux mots, ce qui est sûr. Et je lui ai dit ça, elle ne s'est pas bien saisie, elle m'a juste dit, je ne sais plus quoi te dire, je continue savant de vivre. C'est-à-dire, elle vivait déjà en moi. Vous comprenez un peu? Elle vivait déjà en moi, elle m'a dit, on continue alors de vivre. Et puis on a commencé depuis là, et jusqu'à aujourd'hui. Mettez-vous. Waouh. Ce petit exercice juste pour faire ressortir l'aspect consentement. Nulle part je n'ai entendu un forcing. Donc c'est aller comme sur des roulettes. Toujours dans les conditions de fond, nous avons la capacité de contracter un mariage. Qui peuvent se marier et qui ne le peuvent pas? Un mineur ne peut pas se marier. Le mariage est interdit entre frères de sœurs consanguins, utériens et germains. Et nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent
mariage. Très important. Papa, on applaudit très très fort. Parce que c'est toi qui as la clé. Donc ta réponse va nous fixer. La loi me dit ceci, le futur époux et sa famille doivent se convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice des parents de la fiancée. Est-ce que koyi koyé bisabiso isika oyo ke miché a pesa ki biloko nyoso? Miché réellement a pesa ki biloko nyoso. On est le homme qui s'en a quitté. Waouh! En fait, c'est le temps fort de la cérémonie. La dot peut être versée au moins en partie. Ce que Nyongo na Libala et Zanango acceptable à une seule condition que l'ayant droit coutumier nous donne son aval. Et la même loi l'a dit ceci, la dot ne peut être ni majorée ni réévaluer en cours du mariage. Miketia akei libala sanza ya 9 mois après aboti ma passe. Amen. Papa lobi lokola ba beta ki maboko ke leloko ki sami miche yakana ni force lokutim na biso na madimba kuna. Il faut revoir dot. Et puis ça, papa, que la dot ne peut être ni majorée, ni réévaluée en cours du mariage. Condition de forme. Nous avons deux sortes de mariages. Le mariage célébré en famille et le mariage célébré devant l'officier de l'état civil. Mais lorsque vous avez projeté le mariage civil dans l'avenir, vous devez l'enregistrer pour le protéger auprès de l'officier de l'état civil de votre ressort. En ce moment-là, on vous délivre un document intitulé « Attestation de mariage coutumier monogamique célébré en famille ». Pendant que Bozo vend des Sikamoko, la personne lésée prendra ce document, ira avec au tribunal de paix, toujours de votre ressort, et le tribunal lui donne le jugement des transcriptions. Donc cela veut dire que le tribunal autorise à l'officier de l'état civil de transcrire ce mariage dans le registre d'actes de mariage pour qu'il sorte tous ses effets. Nous avons trois actes qui ont une valeur juridique. Vous avez l'acte de naissance, de mariage et de décès. Autant on déclare une naissance dans le délai légal, autant aussi on doit déclarer un décès dans le délai légal. On peut encore faire du bruit pour eux. Qu'il soit enregistré ou célébré, le mariage produise les mêmes effets comme je venais de le dire. Le mari est le chef du ménage. Michel, on dirait un rose arrosé là. Mais je vais te surprendre, pour être appelé chef, ça se mérite. Ça ne se distribue pas comme des petites madeleines. La très belle femme que tu vois à côté de toi n'a pas été tirée de tes pieds pour être sabotée, humiliée, rejetée. Mais elle a été tirée du côte, à côté du cœur pour être aimée et en dessous du bras pour être protégée. Jésus. Et l'amour se regardait dans la même direction. Dieu a créé un trône pour l'homme, pour la femme un autel. A-U-T-E-L. Le trône exalte, mais l'autel sanctifie. Écoutez, hein? Ok. La loi organise trois sortes de régimes. Nous avons la communauté universelle de biens, nous avons le redut aux acquis et nous avons la séparation de biens. Communauté universelle de biens, biloko ya miché, ezali ya ketia, ezali ya miché, biloko nabango, ezali ya bana nabango. Seuls les parents qui sont intégrés au ménage, nde bazana droit ya héritage. Est-ce que Natangi Noko? Est-ce que Natangi Tata Mwasi? Est-ce que Natangi Mwanankasi? Boye Bakake Lelo Oyo,
Miché na ketia ba yena se a drapeau. Avantage na bango ezali que les cours et les tribunaux auront en vue la protection du ménage fondée sur le mariage et la sauvegarde de son unité et de sa stabilité. Soko ye ko luka mbutu mbutu na katia libala oyo. Olingi o déstabiliser libala oyo. Bake iko funda yo, bakangi yo, ata ozali na ndoki na yo, oko koka ko luka bango te, parce que zami beko na bango te. Promis na deuxième partie, la célébration proprement dite du mariage. J'inviterai nos futurs époux à se mettre debout. Je peux avoir les alliances? Merci. Botala na mbunzu na mbunzu, bosimba na maboko. Monsieur Malambu Seke Miché, consentez-vous à prendre pour épouse légitime mademoiselle Mujinga Masia Laketia, ici présent devant vous, en toute liberté et sans contrainte? Oui, je le consens. On applaudit. Mademoiselle Mujinga Masiala Ketia, consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Malambu Seke Miché, ici présent devant vous, en toute liberté et sans contrainte? Oui, je le consens. Les témoins, juste pour vérifier votre identité, comment vous appelez? Je m'appelle Belende Yolo Anelka. Monsieur Belende Yolo Anelka, consentez-vous à ce que Monsieur Malambu Miché prenne pour épouse légitime, Mademoiselle Mujinga Masiala Ketia, ici présent devant lui, en toute liberté et sans contrainte? Tout à fait d'accord. On applaudit très très fort. Mademoiselle, comment vous appelle? Je me nomme Atta Kenibena Prodige. Mademoiselle Atta Kenibena Prodige, consentez-vous à ce que Mademoiselle Ketia Mujinga Masiala prenne pour époux légitime Monsieur Malambu Seke Miché, ici présent devant elle, en toute liberté sans contrainte? Oui, j'ai le consent. On applaudit. Les témoins, vous pouvez vous mettre. Bazana ba célibataire, hein? L'homme et la femme ayant répondu par oui, je le consens, en toute liberté et sans contrainte, en ma qualité d'officier de l'état civil, conformément à l'article 390, paragraphe 1, 2, 3, 4. Du code de la famille en vigueur, je prononce en ce jour que Monsieur Malambu Seke Miché et Mademoiselle Mujinga Masiala Ketia sont unis légalement par un mariage civil et deviennent à l'instant même époux et épouse. Désormais, Mademoiselle Mujinga devient Madame Malambu l'original. Wow. Monsieur Miché, tu prends l'alliance de Madame ton épouse, tu montres à tout le monde quel est le célibat. Montre à tout le monde, on applaudit très très fort. Tu as trois options dans nos autres alliances. Monsieur Miché, Sokyo ko Lela, Lela, Sokyo ko Fukama, Yokata. Ah, Soko Osale Lae Al Capella, Yokata. Presse, j'aimerais comme presse, j'aimerais communier avec le public pour battre côté pour nous avoir monté. Allez, on y va. Ma très chère épouse, Timoujinga. Volume. Volume.
Non, j'ai l'émotion en fait. Courage. Bon. Je suis très heureux. Courage. Je suis très heureux que tu acceptes ce que tu sois. Mon cher ami, je suis là, je ne t'en fais pas. Il y a eu plein de gens qui n'ont jamais cru à moi. Si, vraiment. Vas-y, va, courage. La vérité, mon cher. Tu prends sa main, tu montres à tout le monde. Tu prends sa main, tu montres à tout le monde. Tiens sa main. Monsieur, tiens sa main, tiens sa main. Voilà. Je vais pleurer. Soccer boy, salam okilina yo. Madame Malamou. Écoutez-moi. Pendant que je changeais avec ton mari, il m'a dit de te dire ceci. Tu es la seule femme dont il baise la bouche. Tu es à la fois l'ange dont il contemple les ailes. Ok. La reine dont il adore les pieds. Ce sourire pour tout le monde, c'est un sourire. Mais pour Miché, c'est un éblouissement. Tu prends l'alliance de monsieur ton mari, tu montres à tout le monde qu'elle est le célibat. J'ai toujours dit, la femme prépare les mets avec son âme et parle avec son cœur. Prends sa main là juste à côté. Madame, j'ai toujours dit, la femme parle avec son cœur et prépare les mets avec son âme. Monsieur mon époux, comme j'ai l'habitude de t'appeler papouche, je m'incline. Je m'incline devant mon roi. Je m'incline devant toi pour te prouver mon amour. L'amour que j'ai pour toi, que je l'ai pu. Je n'ai jamais vécu cet amour. Je le vis qu'avec toi. Je m'incline encore devant mon roi. Je serai toujours avec toi. Je vais te protéger contre tout le monde entier. Protection. Je t'aime. Waouh! Vous avez vécu ça. C'est de l'immensité, de la profondeur, de l'amour que contient leur cœur, que les larmes et les paroles jaillissent. Monsieur Miché, réponds-moi sincèrement. Oui, bah, il y a rouge à lèvres. Alobi akoye bango lelo à madame l'original Sakana Nango, embrassez-vous. On signe généralement, allez-y, on signe généralement en deux volets. Le volet 1, c'est pour les récurrents. Le volet 2, c'est pour le bureau. Allez-y, lorsqu'on perd un acte de naissance, un acte de mariage ou un acte de décès, photocopie nango ezalakate et sengeli ozonga na lombango là où on a émis le document pour être basale la yo copie intégrale. En deux volets. Madame, à vous. Autour de ton moi. Mettez-vous à côté. On ne peut pas être à la fois juge et parti.
et tout document qui sort du pays et Sengeli et Lekana et Paya notaire. La signature du notaire rend le document international. Madame, vous pouvez me mettre, mademoiselle Vandat. Maman, oyebi ke témoin qu'on t'appelle Makala. C'était juste un petit rappel. Merci. Merci. Vous pouvez regagner votre place toujours dans la même position. Déclaré époux et épouse. La place de Ketia n'est plus à gauche de son mari, mais plutôt à droite. Pour se faire Bosimbana, le quoi Bolimbo Bina. Bon, on a piste Babina Aboué. Alors, monsieur Miché, pour la collection, moi, si na yo, na droite na yo, na place au Sengeli na ye, boko bin et la biso rumba sans musique. Voilà, on applaudit très très fort. Ramenez les chaises et Babini Rumbango sans contretemps. Pour votre information, la rumba congolaise aujourd'hui est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Monsieur Michel, regarde pour la toute première fois madame ton épouse dans les yeux, comment tu la trouves? Sincèrement, très jolie. Très jolie, moi je dirais plus sublime. Je me mets debout pour faire un petit exercice. Le mariage, c'est la seule école où vous obtenez un papier avant le début de cours. Dans cette école qui est le mariage, il y a 5 cours à grande pondération. Vous avez l'amour, vous avez la compréhension entre vous, vous avez la confiance entre vous, vous avez la fidélité et vous avez la foi. Le mariage, ne vous considérez pas comme le principal. Le principal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix, la bonté et la joie accompagnent chaque cours de la journée. Et n'oubliez jamais de faire vos devoirs. Simba Mwasinayo, Fandi sae malembe. Alléluia. Akweyate. Yokanye. Voilà. Approchez la chaise. Est-ce que micro yokoma ti e panayo? Yokoma. Approchez la chaise de Miché. C'est ici à côté de moi. Donc nam lokambo am se baba Osaka. Congo. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta place est à mes côtés. Tu resteras toujours près de moi. Jusqu'à ce que je ne sais pas. On applaudit très très fort. Gomonite, nana vandisi mobali. Moi ah. Est-ce que c'est mieux qu'il y a au fond de ça? Oui. Est-ce que tata moi c'est au fond de ça? La loi est adoptée. Je termine toujours mes célébrations par une citation. Aujourd'hui, je dirais ceci. L'homme vole comme l'aigle. La femme, c'est le rossignol qui chante. Voler, c'est dominer l'espace. Chanter, c'est conquérir l'âme. Dixit Victor Hugo. Je dis et je vous remercie. Merci.
Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie. Si on peut se mettre debout pour chanter l'hymne national. Merci maman. Je donne la